Amis de la Résistance, bonjour. Aujourd'hui, deuxième entretien sur l'intelligence du christianisme que je vous ai montré déjà la dernière fois. Je vous avais parlé des modernes, du rapport des modernes et des primitifs, en disant que l'avantage des primitifs, c'est qu'ils vivaient dans une réalité sacrée et non pas dans un monde profane. Quand on arrive dans l'histoire, on arrive dans ce que l'on appelle les traditions. Vous avez un certain nombre de civilisations qui se forment autour de traditions. Il y a incontestablement une supériorité du monde traditionnel par rapport au monde moderne. D'abord parce que le monde traditionnel respecte l'ordre du cosmos, même s'il ne sait pas qu'il y a un créateur du cosmos, il ne le met pas en péril, ce qui est malheureusement le cas des temps modernes. Il y a une aspiration à connaître le Créateur. L'intelligence humaine va progresser sans arrêt et en élaborant de nouveaux mythes, elle va faire des découvertes. Mais ces aspirations, cette quête de Dieu, va être détournée par le diable. Cette aspiration à Dieu va être détournée par le biais des idoles. Ça encore, c'est d'actualité puisque nous vivons le temps des idoles. Des idoles qui sont des faux dieux que l'on substitue aux vrais dieux. Donc les traditions païennes, malheureusement, ont des idoles qui sont des instruments du diable. Moyennant quoi, ce sont des traditions. Alors, là, vous savez que la grande question, c'est de savoir, il y a une discussion, surtout entre les initiés, pour savoir quelle est ce que l'on appelle la tradition primordiale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tradition qui précède toutes les autres, dont toutes les autres seraient des formes dégradées? Et cette question est extrêmement importante parce que, la tradition primordiale a été désignée par les Rose-Croix notamment comme l'hermétisme, n'est-ce pas, la tradition hermétique, et que vous avez une route de cette tradition hermétique à la déclaration des droits de l'homme. N'est-ce pas, je l'ai suivi dans un certain nombre de tomes à travers Pic de la Mirandole et autres. Donc, cette question de la tradition primordiale est essentielle. Pour nous, chrétiens, catholiques, la tradition primordiale, c'est la tradition adamique. C'est-à-dire Dieu crée Adam, évidemment, fait une révélation à Adam. Et cette tradition est petit à petit dégradée. C'est-à-dire qu'après la chute, après Babel, les peuples se dispersent. Et il y a un phénomène très extraordinaire, c'est qu'on va retrouver dans beaucoup de traditions païennes des éléments de la tradition primordiale adamique. On va le voir au cours du récit. Pour ceux qui ne croient pas, évidemment, en Dieu et en la création d'Adam, et qui croient que l'homme est né après X temps d'évolution d'une fameuse... On ne sait pas d'où d'ailleurs, puisqu'il ne descend pas du singe, puisque les singes ont conscience. On ne sait pas d'où d'ailleurs, puisqu'il ne descend pas du singe, puisque les singes ont continué à subsister. Mais enfin, tout d'un coup, il y a un homme qui a pas. Il y a d'ailleurs un couple primordial. La science, sans sous pseudo-science, ne nie pas qu'il puisse y avoir un couple primordial à l'humanité. Donc, pour ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui nous dominent, et parfois l'hermétisme, c'est la tradition de la franc-maçonnerie qui a imposé la déclaration des droits de l'homme. Mais pour d'autres historiens, ce sont d'autres traditions. Alors, beaucoup mettent en première tradition le Tao chinois. Le Tao chinois qui est une des premières traditions historiques qui soit répertoriée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes avec les traditions païennes dans l'histoire. Or, il y a encore là une querelle parce que, la dictature culturelle moderne a inventé une préhistoire. Pour ceux qui régentent le monde, l'histoire commence avec l'écrit, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, où il y a eu des textes en disant l'histoire commence avec les premiers écrits qu'on ait retrouvés, c'est-à-dire à Sumer. Mais c'est faux.
C'est faux pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des civilisations qui sont antérieures aux écrits. Vous avez des traditions orales qui ont fondé des civilisations avant qu'elles ne soient écrites, ce qui concerne le Tao chinois, ce qui concerne peut-être même le judaïsme, qui concerne l'Inde, qui concerne toutes les civilisations, ont des traditions orales avant d'être écrites. La deuxième raison, c'est que Sumer, les fameux textes de Sumer, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais évidemment j'en parle dans mon livre, s'inscrivent toujours dans la conception du temps cyclique. Or, l'histoire ne commence pas, il n'y a pas d'histoire ni de préhistoire dans un temps cyclique, puisque le temps revient sur lui-même. L'histoire, elle commence s'il y a un temps linéaire. Or, le temps linéaire, cela veut dire que le temps se déroule dans une ligne, c'est-à-dire qu'il a un commencement. Donc en vérité, l'histoire commence avec la Genèse. Genèse écrite ou pas écrite, mais c'est-à-dire avec la création d'Adam par Dieu. Et la Genèse elle-même, évidemment, va prendre tout son sens avec l'incarnation, c'est-à-dire avec le christianisme. Donc qui va encore ajouter à l'intelligence du judaïsme une intelligence supérieure à partir du moment où le Verbe, qui est le créateur au départ, puisque le Dieu est trinitaire et que c'est le Verbe créateur qui crée le temps, qui crée la création, pardon pour le pléonasme, et qui crée le temps, le Verbe sera incarné. Donc là, évidemment, dans le deuxième tome, je décrirai, qui s'appellera « de la révélation à l'apostasie », puisque malheureusement, nous en sommes au bord de l'apostasie, et la Genèse prendra son sens avec l'incarnation. Ce que je veux dire ici, c'est que l'histoire officielle vit sur un certain nombre de mythes, dont le mythe d'une préhistoire. Il n'y a pas de préhistoire. À partir du moment où l'homme est sur Terre, l'homme est dans l'histoire. Alors il y a des hommes que l'on appelle préhistoriques, mais c'est à tort. Ce sont les fameux primitifs dont j'ai parlé la première fois, dans la première conférence. Mais ce sont déjà des hommes dans l'histoire. Simplement, ils n'en ont pas conscience. Avec les traditions païennes répertoriées, notamment avec le Tao, on va assister à la naissance de civilisations autour d'un certain nombre de textes. Alors le Tao, moi je le mets comme première tradition païenne, d'autres diront c'est Sumer, d'autres diront c'est l'Inde. Il y a des discussions, je ne suis pas compétent pour trancher. Simplement c'est une tradition qui m'avait passionné à l'époque parce qu'il y a une richesse dans le Tao, il y a un apport incontestable. Alors, le Tao est une construction humaine, hein. Les traditions païennes sont des traditions humaines, c'est-à-dire non révélées, mais il y a une intelligence. Le Tao, on va le situer entre le 6e ou 3e millénaire, hein, c'est avant Jésus-Christ, avec un dénommé Foyi, qui est un personnage plus ou moins légendaire, et qui n'est pas contesté. On va contester Moïse, il y en a même qui vont contester le Christ, mais Foyi, ça on ne conteste pas, les historiens trouvent ça très bien. Et le Tao va se continuer, va être élaboré petit à petit comme tradition, jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire aux deux fameux Lao Tzu, n'est-ce pas, et Confucius, hein, qui eux sont des personnages historiques que l'on connaît. Le Tao, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Tao, il y a deux sens au mot Tao. Le premier sens, c'est la loi. C'est la loi du cosmos, hein, c'est la loi de l'univers, mais il y a une loi. Ça veut dire déjà, il y a une intelligibilité du cosmos. L'homme va penser le cosmos. Le deuxième sens, c'est voix. Alors, le Tao, il est répertorié, il a un texte écrit qui est un des plus anciens que l'on connaisse, qui s'appelle le Yi Qing. Le Yi Qing, la traduction, c'est le livre des changements dans la révolution circulaire. Donc on est toujours dans un cycle, n'est-ce pas, dans un temps cyclique, mais il y a des mutations, des changements dans ce cycle, et dans ce cycle tourne ce que les Chinois appellent le yang, qui est le masculin, et le yin, qui est le féminin. Et il va y avoir une concordance du masculin et du féminin qui va permettre la vie. C'est déjà une élaboration absolument extraordinaire. Évidemment, c'est compatible avec Adam et Ève, hein, l'homme et la femme qui vont perpétuer la vie. Donc c'est compatible avec la Bible. Dans cette révolution circulaire, les Chinois vont inventer, ils vont chercher à calculer comment ce cycle. Alors on va sortir du cycle annuel avec les sacrifices annuels tels qu'ils étaient dans les sociétés agricoles, pour envisager des périodes beaucoup plus longues. Et les Chinois vont inventer, en fait, les mathématiques. Et ils vont aussi se pencher sur la façon dont les astres
peuvent influencer le monde, le soleil et la lune, et ils vont inventer l'astrologie. Au passage, évidemment, la mathématique, l'astrologie n'ont pas été inventées par les Arabes, hein, parce qu'on vit aussi sur le mythe d'une science arabe. Non, tout ça remonte à la Chine, tout ça remonte à l'Inde, remonte à bien avant. Il n'y a pas de science arabe. Bon, c'est encore un mensonge de l'histoire officielle sur lequel je suis déjà revenu dans d'autres livres. Le Tao est donc la loi primordiale, et c'est ce que les Chinois appellent le principe. Le principe, alors ce n'est pas Dieu, on le donne pas comme Dieu, c'est ce qu'on appelle le principe. Le principe, alors là aussi c'est d'actualité, parce qu'on va le retrouver dans l'ésotérisme du XXe siècle, notamment avec le fameux René Guénon, qui a eu une influence considérable sur les loges maçonniques, ne serait-ce que par sa conversion à l'islam, et parce que l'islamisation de l'Europe a été prévue dans les loges guénoniennes dans les années 1930, hein, avis naïf. Donc le principe... Alors, le problème de ce principe, y compris du principe guénonien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été induits en erreur ou séduits par Guénon, ce principe n'est pas l'être au sens biblique, c'est pas Dieu, c'est le néant. Simplement, le néant va donner naissance à un chiffre, donc on est dans les mathématiques ésotériques, qui est le 1. Et à partir du 1 vont venir, alors le 1 qu'on peut considérer comme le masculin, peut-être le soleil, je fais là des comparaisons, des symboliques, le 2, n'est-ce pas, qui va être la lune, qui va être le féminin, et le 3, n'est-ce pas, qui va être 10 000 êtres, bon, qui va être tous les êtres. Alors nous sommes dans ce que l'on appelle un monisme métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dieu créateur séparé de sa création, et ça se déroule dans une procession mathématique. Elle est évidemment extrêmement importante parce qu'on va retrouver cette procession dans la gnose jusqu'à Newton, n'est-ce pas? Le dieu mathématique géométrique de Newton remonte à la science chinoise. C'est donc une construction humaine. La Bible, les sinologues disent que la Bible évidemment n'a aucune valeur, mais, chose extraordinaire, on retrouve dans cette tradition primordiale chinoise, un certain nombre de thèmes qui sont dans la Genèse. Alors, par exemple, on retrouve le symbole de la montagne émergée. Les Chinois découvriraient sur une montagne qui émerge des eaux, ça fait vraiment penser au déluge, n'est-ce pas ? Ils découvrent ce qu'ils appellent les hexagrammes, c'est-à-dire en fait les mathématiques ésotériques, qui sont faites sous forme de signes sur cette montagne. Et ces signes vont ensuite être la signature des fameux Rose-Croix, c'est-à-dire notamment de Paracels, de Böhme, n'est-ce pas, qui vont conduire à la philosophie moderne. Et le symbole de la montagne, on va le retrouver dans de multiples traditions, jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire jusqu'à la montagne révolutionnaire et à certains Robespierre. Donc nous sommes à l'origine, n'est-ce pas, de toute une mythologie qui sera reprise dans la Révolution. C'est pas du tout une affaire ancienne. L'autre actualité de la traduction chinoise, cette science originelle, cette tradition primordiale, aurait été dispersée. L'humanité se serait dispersée à partir de cette montagne, et donc elle aussi comme à Babel, c'est la même chose que Babel. Ce que je veux dire par rapport, si vous voulez, à l'hermétisme dont je parlais tout à l'heure comme tradition primordiale maçonnique, c'est que la tradition chinoise est peut-être la tradition primordiale au sens historique, c'est la première répertoriée, mais l'hermétisme qui va reprendre cette procession, ne l'est pas pour une raison très simple, c'est que l'hermétisme est du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, on n'est pas l'hermétisme qui est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme ne peut pas historiquement être la tradition primordiale. J'insiste. Deuxième grand intérêt du Tao, donc qui peut être une tradition primordiale, c'est que le deuxième sens du mot Tao, c'est la voie. La voie, c'est en fait l'initié. La voie, c'est ce qui permet. Alors, il y aurait eu dans le Tao, il y a une sorte de chute aussi. Il y a déjà le mythe d'un âge d'or, les hommes qu'on retrouvera en Grèce après, n'est-ce pas ? Les hommes vivaient en affinité avec les dieux. Et à suite d'une faute rituelle, il y a une dispersion. Et le Tao va être la voie par laquelle l'initié, parce qu'il faut l'appeler par son nom, va pouvoir voyager entre la terre et le ciel. C'est ce que l'on va retrouver d'ailleurs dans la symbolique hermétique après, ce qu'on va appeler les oiseaux. N'est-ce pas ? C'est le langage des oiseaux, les oiseaux sont ceux qui voyagent entre le ciel et la terre.
Et cette voix est considérée par l'histoire officielle comme une mystique. Donc, elle reprend d'ailleurs des choses qui étaient déjà le cas dans l'Antiquité, dans la pseudo-préhistoire de ce que l'on a appelé les chamans. Les chamans déjà étaient censés voyager, remonter dans des sphères. Voyage dans les sphères que l'on retrouvera évidemment dans les philosophes, dans la gnose, jusqu'à Descartes. L'histoire officielle considère cette voie du Tao comme une mystique. Non, ce n'est pas une mystique, c'est ce que l'on doit appeler, que certains initiés d'ailleurs honnêtes, bien que non chrétiens, appellent ce que l'on appelle une voie irrationnelle, c'est-à-dire une voie qui ne fait pas référence à la raison, mais simplement une forme de quiétisme, c'est-à-dire une sorte d'illumination. C'est déjà les prémices d'une illumination. Pour qu'il y ait une vraie mystique, il faut en effet qu'il y ait un dualisme métaphysique, parce que vous ne pouvez pas contempler ou s'unir, puisque la mystique c'est la contemplation ou l'union à Dieu, vous ne pouvez pas contempler ni vous unir à un Dieu qui n'a pas d'être. Or, dans le Tao chinois, il n'y a pas de Dieu et il n'y a pas d'être. Donc vous ne pouvez pas vous unir au néant. Donc c'est une fausse mystique. On la retrouvera évidemment dans le quiétisme. Il y a toujours de l'actualité. Lao Tse, l'autre, alors là c'est surtout la voie irrationnelle qui va commencer avec Lao Tse. Et Lao Tse a aussi un autre intérêt, c'est qu'avant la philosophie grecque, il dit qu'il y a deux Tao, il y a le Tao du ciel, et le Tao, donc le Tao du ciel respecte l'ordre du cosmos, il donne son ordre à la société, donc ça c'est plutôt compatible, mais il y a aussi le Tao de l'homme. L'homme c'est l'initié qui va pouvoir prendre la place du Tao du ciel. Donc on est en une sorte de pré-humanisme, que l'on va retrouver dans Socrate et évidemment dans l'humanisme. Le Tao du ciel a un avantage, c'est que donc c'est l'ordre du cosmos, et il a une conséquence politique. C'est que les initiés vont trouver dans le ciel le modèle de la cité terrestre. On est déjà, c'est une compatibilité avec la Jérusalem céleste. Donc le roi chinois, n'est-ce pas, tient son modèle du ciel et est lui-même un initié. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, donc le modèle a été celui de l'âge d'or et il faut essayer de le reproduire sur Terre. Le problème extraordinaire, c'est que ce roi doit lutter contre l'autre, c'est-à-dire évidemment aussi contre l'étranger, comme dans les sociétés primitives, c'est une forme de sagesse, et il lutte spécifiquement aussi contre le mal, et le mal est représenté par le dragon qui est dans ce qu'on appelle les eaux primordiales, et le dragon, c'est le serpent. C'est une des premières représentations du serpent. Le serpent est déjà le mal. Donc, je veux bien qu'il n'y ait pas de tradition adamique antérieure, mais vous avez quand même dans le Tao chinois des réminiscences de tout ce qui est écrit dans la Genèse. Alors, ce modèle vertical qui sert à la consolidation de la monarchie, notamment au premier millénaire, celle des Cheu, elle change avec Confucius. Confucius, lui, était une sorte de démocratisation, et Confucius est donc du 6e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme un ancêtre du communisme. Donc la Chine d'aujourd'hui, la Chine communiste, modèle, n'est-ce pas, qui va nous servir peut-être à la dictature sanitaire si elle est renouvelée par le réélu, élu entre guillemets, et le communisme remonte officiellement à Confucius, c'est un des premiers. Et Confucius va probablement influencer, vous savez que le communisme remonte aussi, hélas, à Platon, et Platon vit 50 ans, ou un peu plus de 50 ans après Confucius, et à l'époque, les initiés voyagent d'un pays de l'Orient à l'Occident. Par exemple, Lao Tse serait mort en Occident. Donc, si vous voulez, les doctrines vont de centre initiatique en centre initiatique. Donc, il est très possible que Platon ait connu le modèle chinois. Au premier millénaire, on va voir aussi en Chine, quelque chose qui est également d'actualité, ce sont les premières sociétés secrètes qui vont être au service du politique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces sociétés secrètes sont hiérarchisées avec en bas
les socialistes, c'est-à-dire les confucianistes, et en haut, ceux qu'on va appeler les supérieurs inconnus, et qui seront les pseudo-mystiques, c'est-à-dire les disciples de Lao Tzu. Alors là aussi, c'est d'actualité, puisque ce modèle sera repris par les Illuminés, par les Rose-Croix, par les Illuminés, et qu'évidemment, les Illuminés feront la révolution. Deuxième tradition qui apporte aussi à l'humanité, si on veut, c'est l'Inde. Voilà. L'Inde, alors aussi, il y a des problèmes de datation, je passe là-dessus. Les textes les plus anciens, c'est ce que l'on appelle les Védas. Bon. Dans l'Inde, on retrouve aussi le mythe du déluge, donc ça peut aussi être post-adamique. Et on retrouve aussi, d'ailleurs, un dragon qui s'appelle Vrtra, pardon si je le prononce mal, c'est V-R-T-R-A, et qui est un serpent, encore un serpent, mais qui est le créateur à l'origine du monde. C'est ce que l'on va retrouver dans la gnose. Ça sera le démiurge gnostique, c'est-à-dire le mal. Le monde est créé par le diable. Donc c'est déjà dans la tradition indienne. Dans les Védas, l'apport que l'on peut dire de les Védas, c'est la notion d'âme. Alors en fait, la notion d'âme, elle était déjà dans les traditions européennes, mais enfin l'histoire officielle l'attribue à l'Inde. C'est une notion d'âme cosmique, évidemment, ça n'est pas l'âme au sens chrétien, et surtout, c'est une âme unique, c'est-à-dire que c'est ce qui va devenir l'âme du monde. L'âme du monde qui va être, dans la tradition indienne, ce que les Indiens, les hindouistes vont appeler Soma, hein, Soma, qui est le féminin ésotérique, qui va être l'âme du monde que l'on va retrouver dans les gnostiques. Autre apport de l'Inde, c'est de dire que le monde a été créé par un esprit. Donc déjà, on n'est plus dans une filiation matérielle, un esprit qui est évidemment androgyne, c'est-à-dire qui est la concordance entre Agni qui va représenter le masculin, et Soma, le féminin. Évidemment, l'homme étant, quand dans l'hermétisme, l'homme va devenir le microcosme du macrocosme, le macrocosme sera le nous hermétique, donc postérieur, sera lui aussi androgyne, et l'homme, évidemment, va devenir androgyne. Nous sommes là encore à l'origine de la théorie du genre, je suis toujours dans l'actualité, parce que c'est le retour à l'androgynie, la révolution, c'est le retour à l'androgynie primordiale. L'Inde fait naître le monde d'un non-être, c'est d'un néant, n'est-ce pas ? Elle va, cet esprit, va être le premier être suprême, il est considéré comme le premier être suprême, mais il n'est pas une matière. Dans le Tao chinois, la matière est considérée, alors que dans l'Inde, tout est spirituel. Donc c'est une religion du néant qui est un spiritualisme et qui s'accompagne d'une négation de la matière. L'Inde a aussi, invente aussi la transmigration des âmes dans le cycle des yugas, c'est-à-dire que les âmes aussi, les réincarnations se passent dans un cycle, n'est-ce pas, les fameux yugas, et c'est évidemment, puisqu'il y a une négation de la matière, une négation de la corporéité. Là encore, c'est diabolique, parce que le diable veut détruire le corps, mais il veut le détruire aussi parce que, puisque le verbe sera incarné, et ce que Lucifer a vu dès l'origine, puisqu'il y a une contemplation originelle, il faut détruire le corps, évidemment, il faut détruire l'homme. Et toute la conception de l'homme de l'Inde, qui était évidemment totalement à la mode, est incompatible avec la Bible et particulièrement avec le christianisme. Dans la Bible, d'abord, l'être créateur, n'est-ce pas, n'est pas le néant, mais est l'être, Dieu, Yahvé, n'est-ce pas, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Yahvé, et c'est « je suis celui qui suis », n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit à Moïse. C'est un être qui est et qui est créateur d'un autre être. Tandis que là, et donc il y a un univers qui est créé, donc il y a un réalisme de la matière. Dans l'Inde, pas du tout. La conséquence aussi, c'est que la conception de l'homme est totalement différente, notamment de la conception chrétienne, évidemment, parce que l'Inde est la première à haïr le corps et le mal. Ce que l'on va retrouver assez diabolique, évidemment, c'est fait pour détruire le corps humain. Donc détruire la personnalité. Dans toutes les sectes hindouistes aujourd'hui, on recherche le karma, n'est-ce pas, qui est au bout d'un certain nombre de réincarnations, c'est la perfection. La perfection, c'est la mort de l'homme, c'est l'anéantissement de l'être humain. Donc c'est tout le contraire, évidemment, du christianisme, mais c'est une hérésie qui sera aussi dans la gnose, que l'on va retrouver dans le catharisme,
que l'on va retrouver dans le puritanisme protestant, qui atteint évidemment jusqu'aux initiations maçonniques. Troisième tradition, alors encore plus influente évidemment sur la franc-maçonnerie, c'est l'Égypte. Voilà, l'Égypte, alors évidemment, magnifique civilisation, avec les pyramides. Pyramides, on oublie quand même de dire, d'une façon générale, qu'elles ont été construites par des esclaves, n'est-ce pas, et qu'il y a eu des milliers de morts sur les pyramides, pendant la construction des pyramides. Bon, c'est à la mode. Vous avez la pyramide du Louvre. J'ai vu, je crois, quelqu'un faire un discours il y a 5 ans devant la pyramide du Louvre. Et évidemment, la lumière, hein, c'est pas sur le musée, sur le musée qui représentait la France ancienne. Il l'a fait devant la Tour Eiffel. Hein, c'est pas mieux, puisque la Tour Eiffel, c'était la fête, n'est-ce pas, de la Révolution et notamment de la fête de ce que l'on appelle la Fédération sur le Champ de Mars. Donc, on est dans la même logique, hein, la même logique diabolique. On la retrouve aussi, cette pyramide, sur le billet de 1 dollar. Avis aux mondialistes, hein, n'est-ce pas? C'est pas un hasard s'il y a une pyramide dans laquelle, en plus, il y a l'œil, évidemment, l'œil de Caïn, etc., sur la symbolique. L'Égypte, donc, est une grande civilisation, si l'on veut, mais dans laquelle le peuple est victime d'un pharaon, n'est-ce pas? Un pharaon qui exerce une dictature effroyable sur le peuple égyptien. L'Égypte naît, alors, sur un plan ésotérique, de Charles Trenet, dans mon livre, parce que le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est toute la mythologie, n'est-ce pas, dans mon livre, parce que le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est toute la mythologie, n'est-ce pas? Toute la mythologie, c'est la lutte entre le féminin et le masculin, entre la lune et le soleil. Les deux, d'ailleurs, poussant au sacrifice. Hein, sur ce plan-là, ça ne change pas. Donc, vous avez une lutte entre la ville de Memphis, en fait, au départ, dans lequel vous avez un dieu qui est un dieu créateur et qui est Ptah, qui est un dieu de la lune. Et les initiés diront après que le dieu de la Bible est un dieu lunaire. C'est pas, on dira que le dieu de la Bible est féminin. Ça sera une des accusations qui sera portée, notamment par les Rose-Croix. Alors qu'évidemment, le dieu de la Bible n'a rien à voir avec Ptah, mais vous avez déjà un dieu créateur contre Héliopolis. Héliopolis qui est évidemment la ville du soleil. Et c'est le soleil qui va... Héliopolis, qui est évidemment la ville du soleil. Et c'est le soleil qui va gagner. Alors, le premier, l'union de la lune et du soleil est réussie sur un plan ésotérique par le premier pharaon, qui est un peu mythique, mais pharaon devient fils du soleil après une initiation. Et ça va lui permettre de régner sur l'Égypte, et ça va être le premier, en fait, despote éclairé. C'est-à-dire que le modèle pharaonique est le modèle du despotisme éclairé de Voltaire et des Lumières, évidemment. Hein. Il y aura un retour de la tradition chinoise, notamment à partir de Leibniz, qui va reprendre l'harmonie du Tao. Alors chinoise, pardon, Leibniz, et évidemment tradition égyptienne. N'oublions pas, j'avais dit ça dans une conférence, mais que Voltaire s'était fait bâtir, n'est-ce pas, un tombeau en forme de pyramide. Hein. Bon. Donc le despotisme éclairé, évidemment, remonte à l'Égypte. Vous avez un autre mythe qui est omniprésent encore aujourd'hui, c'est le mythe d'Osiris. Osiris, lève-toi, etc., ressuscite. Il y a pas mal d'initiations maçonniques qui commencent avec ces falbala. Osiris, le mythe d'Osiris. Alors, Osiris est tué par son frère. Vous savez, le meurtre du frère, c'est souvent le fondement d'une civilisation dans les mythologies. Caïn tue Abel, Rémus... Romulus, etc. Et donc, Seth tue Osiris, lui tend un piège, mais Osiris va ressusciter, c'est déjà un dieu qui va ressusciter, par l'intervention d'Horus, Horus qui est le soleil, donc il va ressusciter Osiris qui au départ était lunaire, va ressusciter, va devenir un nouveau dieu solaire par l'intervention d'Horus, et Horus qui est en fait le fils posthume d'Osiris, n'est-ce pas, qui aurait fécondé, après sa mort, Isis, n'est-ce pas, qui aurait été fécondé post-mortem par Osiris. Excusez-moi, hein, c'est pas pour accréditer du délire, mais parce que c'est très intéressant. C'est que, en fait, Horus est le premier fils de la veuve d'Osiris. C'est la veuve d'Osiris, et on retrouvera évidemment cette symbolique. Ensuite, les francs-maçons se diront fils de Caïn, évidemment, et fils de la veuve, qui sera, la veuve étant évidemment la veuve du diable, la veuve de Samaël. Et Osiris, donc,
Isis est là, donc le fameux Hermès, qui n'est pas un dieu grec, mais qui est un dieu égyptien qui sera intrus en Grèce, j'en reparlerai une autre fois. Et Isis va... Alors Isis, qui est évidemment aussi le féminin ésotérique, qui est toujours la terre-mère, hein, c'est la même mythologie, va en Grèce être assimilé à Déméter, qui va être au centre des fameux mystères d'Éleusis, dont je parlerai une prochaine fois. Donc on est, et évidemment ensuite, toute la mythologie maçonnique. On est aussi, avec l'Égypte, en dehors de cette mythologie, à l'origine d'un certain nombre de mythes qui ont été repris par les modernes, notamment le mythe donc du soleil. Vous avez le rite écossais des francs-maçons est un rite solaire. Et vous avez, par exemple, dans les loges maçonniques, n'est-ce pas, une colonne de gauche, évidemment, puisque c'est la gauche ésotérique qui est surmontée par la lune, par le féminin, parce que la gauche est féminine, et la colonne de droite qui est surmontée par le soleil masculin. Le soleil va donner naissance à ce que les Égyptiens pensent, un œuf cosmique. Tout viendrait d'un œuf cosmique. Nous sommes à l'origine de l'évolutionnisme. Un œuf primordial. Alors la grande question de l'œuf primordial, c'est que, bon, il y a un œuf, donc tout va venir, tout va venir de cet œuf. Très bien, la question qu'on pose, excusez-moi, elle est simple, mais d'où vient l'œuf? C'est-à-dire, quelle est la poule qui a pondu l'œuf, en vérité? Et alors, donc, si une poule a pondu un œuf, mais alors qui a créé la poule? Ou de qui a créé l'œuf, qui a créé la poule? Voilà. Donc, il faut bien évidemment qu'il y ait un créateur. Hein. Rien ne peut sortir du rien. Du néant, rien ne peut advenir. Donc, si vous voulez, il y a une intelligence, évidemment, de la Bible, du judaïsme et du christianisme, qui est supérieure à celle de ces traditions, parce que rien ne peut sortir de rien. Bon. On le retrouve dans le mythe d'évolution. Et on va retrouver ce mythe de l'œuf cosmique ou de l'œuf primordial dans un certain nombre d'initiés, notamment à la Renaissance, et dans Diderot. Diderot va croire à ça. C'est pas, et Diderot va l'exprimer. Et Diderot, c'est-à-dire, c'est l'encyclopédie. C'est évidemment l'évolutionnisme. Et dans le cadre de l'évolutionnisme, je me permettrai simplement aussi de préciser qu'il y a une croyance qui s'appelle le vitalisme, n'est-ce pas? C'est le vitalisme qui a eu un certain succès en Allemagne à une certaine période de l'histoire, n'est-ce pas? Des heures soi-disant sombres, mais qui naissent aussi de ce mythe égyptien, n'est-ce pas? Les Rose-Croix sont en vérité, disons-le clairement, les ancêtres aussi des nazis, hein, non seulement des mondialistes et des francs-maçons, mais des nazis, hein, on oublie de le dire d'une façon générale. Dernier symbole égyptien qui va me retenir, c'est évidemment le symbole du serpent. Dans la médecine égyptienne, dans la médecine traditionnelle, le serpent représente la colonne vertébrale, symbole que l'on retrouve encore évidemment sur le caducée de nos médecins, mais c'est aussi évidemment le symbole du diable. Et quand la Bible, quand la Genèse, n'est-ce pas, va décrire le diable comme le serpent, il est absolument évident que les Juifs, n'est-ce pas, qui ont vécu l'exil, qui ont été en Égypte pendant plusieurs siècles et qui sont libérés par Moïse, assimilent l'initiation égyptienne au mal, au serpent. Donc la Genèse vient rétablir la tradition primordiale adamique, n'est-ce pas, contre le serpent, dont la figure la plus emblématique est celle de l'initiation égyptienne. Alors, juste un mot pour terminer, c'est à propos de la Genèse. Vous savez que dans la tradition juive et chrétienne, on l'attribue à Moïse, Moïse ayant vécu au XIIIe ou XIIe siècle. C'est contesté, on ne conteste pas l'existence de Wen Wang ou de Fo Yin, on conteste Moïse. Et certains ésotéristes ont voulu faire de Moïse un fils égyptien, c'est-à-dire qu'il aurait, le judaïsme serait une suite du judaïsme, de l'Égypte, pardon, alors que, notamment parce que vous savez qu'en Égypte, il y a le premier monothéisme, n'est-ce pas, d'Akhenaton, mais en vérité, dans la Genèse, Abraham ayant lui aussi vécu antérieurement à Akhenaton, le monothéisme est antérieur à Moïse. Bon. Alors Moïse est contesté, où on nie son existence, où on fait de son... de Moïse, un initié égyptien. Il aurait apporté à Israël l'initiation égyptienne en la modifiant. Donc le dieu de la Bible serait lunaire, etc. Autre stupidité, fort répandue. Hein. Beaucoup d'ésotéristes ont écrit là-dessus. Mais il y a quelque chose qui le contredit. Voilà, une chose très simple. Je fais un certain nombre de remarques dans mes livres sur l'ésotérisme, mais quand le peuple juif est libéré d'Égypte, Moïse le conduit à travers, il y a le fameux passage de la mer Rouge.
savoir si les eaux s'étaient séparées. Bon, les eaux se séparent, et le peuple hébreu passe. Pareil. Bon, les eaux se séparent, et le peuple hébreu passe. Et quand les Égyptiens qui veulent les tuer, c'est pas qui veulent les poursuivre et les tuer, pénètrent, n'est-ce pas, dans la mer Rouge, les eaux se referment sur les Égyptiens et les Hébreux sont sauvés. Mais si Moïse avait été un fils égyptien, les eaux se seraient refermées sur Moïse. Donc c'est pas logique. Il y a évidemment d'autres symboles, hein, quand il jette le serpent, on sait que ça représente la libido siendi, etc. Bon, si vous voulez, il n'est pas possible, l'ésotérisme est de mode, hein, dans les étals de librairie, on trouve des livres, mais ça n'est pas la réalité historique. La révélation à Moïse, elle a lieu, donc Dieu, en fait, a compris, Dieu sait tout, évidemment, mais Dieu intervient, puisque les idoles païennes ont détourné toute l'humanité de la quête de Dieu, et particulièrement l'Égypte. Donc Dieu intervient, fait une révélation à Moïse pour sauver l'humanité des idoles païennes. Et il viendra évidemment ensuite annoncer par les prophètes l'incarnation du Christ. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je voudrais conclure là-dessus, c'est que depuis 3 siècles, on brode beaucoup sur l'ésotérisme, hein, c'est à la mode, et les gens qui sont férus d'ésotérisme sont au pouvoir. Ce sont eux qui nous dirigent, ce sont eux qui dirigent le monde moderne. Mais tout repose sur des tissus de mensonges, notamment en ce qui concerne, particulièrement en ce qui concerne la Bible, et plus précisément le christianisme. Parce qu'on met même en cause, n'est-ce pas, l'existence de Jésus, alors que n'importe qui, le plus païen des historiens, ne peut pas nier que Jésus a vécu, n'est-ce pas. Et les imposteurs qui prétendent cela vendent des livres par dizaines de mille. Et il y a des gens qui les croient, je les laisse à leur conscience. Mais ma question que je pose, c'est la suivante. Mais pourquoi les ennemis de Dieu et les ennemis du Christ ont-ils peur de la vérité? Le mensonge, c'est une signature. La mythologie, la révolution a créé une mythologie qui nous enferme, hein, qui nous conduit à la dictature mondiale, puisque le mondialisme est l'aboutissement de la révolution. Mais la vérité, ils ont peur de la vérité historique et de la vérité religieuse, la vérité de l'histoire des religions et la vérité de l'histoire tout court, parce que la vérité historique démontre la vérité religieuse. Parce que le christianisme a une intelligence supérieure à toutes les traditions et à toutes les autres religions, a fortiori à la philosophie moderne, notamment, et c'est cette intelligence, j'y insiste, qui a permis l'abolition du sacrifice humain, l'abolition de l'esclavage, qui était la loi de toute l'Antiquité, ne l'oublions pas, jusqu'à l'incarnation. Avant l'incarnation, Dieu est intervenu pour rappeler la loi par Moïse, mais l'esclavage a été pratiqué jusqu'à ce que le Christ vienne. Alors, pourquoi ont-ils peur de la vérité? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont des adeptes du diable. Et nous, qui sommes hyper minoritaires, qui sommes méprisés, nous défendons la vérité. C'est la vérité du Christ. Donc, je conclue toujours de la même façon, nous sommes des croisés. Je vous remercie.